Проходи давай. Лучше не зли меня. Я всех всегда прошу. Она тоже была порадочной стервой. J'en ai une! Elle est descendue par là-bas! Elle est morte? Je sais pas! Laisse tomber! On sait que t'es là! T'as nulle part où aller! Elle a un flot! Ne vous approchez pas de moi! Thank you.
Чески. Lara, tu es là ? Oui. Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien ? Oh mon Dieu, Ross. Ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi ? Qui ? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs. Je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. L'avantage avec les cauchemars, c'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. Mais cette île, c'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. Je suis vraiment là. Je fais vraiment toutes ces choses. Non. N'y pense pas, Lara. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce qu'est devenu le reste de l'équipage. J'espère qu'ils n'ont rien. Oh mon Dieu. Faites qu'il n'y ait rien. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Ross et trouver un moyen de rentrer à la maison. Juillet 1982. Plusieurs jours ont passé depuis le crash de l'avion. Pour la deuxième fois, nous avons essayé de partir par bateau, mais ce fut un désastre. Je savais que nous n'y parviendrions pas. Comme la première fois, une tempête s'est levée de manière inexplicable.
Les vents se sont déchaînés, suivis d'une vague incroyable. Notre canot de sauvetage a été projeté contre les falaises tel un vulgaire jouet. Nous comptons 2 morts et 1 blessé, sans espoir de guérison. Les autres commencent à paniquer, et ils attendent que je trouve un plan. J'en ai un, mais il ne les concerne pas. Ils sont faibles et stupides. C'est un handicap sur cette île. Je leur ai suggéré de tenter une nouvelle fois de prendre le large, mais je n'irai pas avec eux. Ce serait du suicide. Cela ne fait plus aucun doute. Droit à une petite partie de chasse? Non, je crois pas. Père Mathias a dit qu'il s'en occupait lui-même. Quoi? Pourquoi? Je sais pas, c'est peut-être encore une fille pour le rituel. Enfin, on en saura plus d'ici ce soir. T'as entendu? Je vais aller voir. Thank you.
Jade. Quelque part. Trouvez-la. Morte ou vivante, tuez-la. Elle pose trop de problèmes. Vous deux, allez de ce côté. Ok. Nous sommes échoués sur l'île. La pluie et le vent nous ont cloués sur place pendant des jours. Nous ne pouvions pas nous abriter ni chercher de la nourriture. Nous pouvions à peine bouger. Comme si une main gigantesque nous retenait. Alors que la tempête se calmait, le père Mathias s'est présenté à nous. Il était calme. Il semblait nous connaître. Nos noms, d'où nous venions. Il s'adressa à nous dans notre langue maternelle. Il nous expliqua la vérité sur cette île. Il nous offrit le choix entre le salut ou la mort. Certains essayèrent de lui tenir tête. Il les tua sans hésitation. Le père Mathias n'était ni malveillant ni agressif, mais calme et déterminé. Alors que je me tenais sur le sable, souillé par le sang de mes camarades, je compris que je ne pourrais rien lui refuser. Il a pu appartenir à un villageois, comme à un noble.
C'est un gunbai, utilisé par les samouraïs pour relayer les ordres aux soldats sur les champs de bataille. Il est très solide, sûrement du bois de cyprès. Thank you.